بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يلا وصلي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. دي لا سويت. إخواني أخواتي، نعم، أعزائي عزيزاتي، نعم، أصدقائي صديقاتي، نعم، أعدائي عدواتي عدواتي، ميزنمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très bien. Donc vous avez la Mariam, vous l'avez vu, mashallah, revu. Vous avez la Salama, mashallah, vous l'avez vu le jour de sa naissance à l'époque. Vous avez vu, elle a grandi, mashallah. Ceux qui sont déjà en train de critiquer les bonbons, c'est vraiment très rare. Ils ont eu ça comme cadeau hier, c'est ça? Naam, donc ils ont gagné, mashallah, sur 80 élèves, qu'Allah les bénisse, un concours de psalmodie de Coran. Donc on leur a donné des bonbons, donc je leur conseille beaucoup les bonbons. Très bien, donc Mariam et Salam, qu'Allah les bénisse. Dites salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, marhaban. Quel bonheur de vous recevoir parmi nous aujourd'hui dans ce rappel. Donc je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mais je n'ai pas parlé de mes frères et sœurs en humanité, Mariam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui ne sont pas encore musulmans. Qu'est-ce que je leur dis, Mariam? Est-ce que je leur dis que je les aime? Non. Oui. Toi, tu les aimes? Oui. Tes camarades qui ne sont pas musulmans, il y a parmi vous tes amis. Oui. Ta meilleure amie s'appelle comment? Cassandra. Ta meilleure amie depuis que tu étais à l'école s'appelle Cassandra. Tu as pleuré pour elle. Oui. Toi, ta meilleure amie s'appelle Margot. Très bien. Très bien. Donc, tu seras étonné si je te dis, il faut détester quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion que toi. C'est pas possible. C'est quoi ce Dieu qui va nous demander de détester les autres, alors qu'ils sont humains comme nous, parce qu'ils n'ont pas la même religion? Ça va t'étonner, n'est-ce pas, Mariam? Non. Donc, mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en citoyenneté, alors, ils sont tous des citoyens du monde, mes frères et sœurs en universalité, nous aimons tous le bien, nous détestons le mal, nous aimons tous la justice, nous détestons l'injustice. Ben, je dois vous aimer pour ça, donc je vous aime. Je suis content. Je suis heureux de partager un petit bout de chemin avec vous. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. C'est le début d'un rappel. J'ai voulu vous parler de quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur. C'est notre négligence du Coran. Ça fait 6 ans que chaque année, je lance ce que j'appelle le challenge Coran. Challenge Coran Ramadan. Ça veut dire 1 mois, maximum 2 mois, avant le Coran. Et tout au long de l'année, je rappelle à mes étudiants et à mes futurs étudiants qu'il est possible pour toi de faire quelque chose que tu n'as jamais imaginé et que la majorité écrasante de tes entourages n'ont jamais fait, même les arabophones parmi eux. C'est quoi? C'est de découvrir la parole d'Allah. De te dire, au moins, j'ai pu réaliser le verbe que si Allah avait fait descendre que ce verbe-là, ça aurait été le miracle des miracles. Si Allah avait descendu que le mot Iqra, lit, ça aurait résumé toute l'histoire de l'humanité. Ça aurait résumé toute la chose. Donc Allah te demande, première chose, Iqra, lit. Il ne t'a pas dit, prosterne-toi. Il ne t'a pas dit, adore. Il ne t'a pas dit, fais le jihad. Il ne t'a pas dit, massacre. Il ne t'a pas dit, tire les profits du bas monde. Il ne t'a pas dit beaucoup de choses. Il t'a dit, Iqra, lis. Et toi, tu as tout lu, malheureusement, sauf la parole d'Allah. Tu as tout lu, malheureusement, sauf toi-même. Et quand tu lis le Coran, tu te lis toi-même. Tu as lu toutes les bêtises de la terre. Tu as consacré
des heures et des heures à Kohlanta. Tu as consacré des heures et des heures à The Voice. Tu as consacré des heures et des heures à Lost. Je sais pas, Lost. Tu as consacré des heures et des heures à mon époque, à Buffy et les vampires. Tu as consacré des heures et des heures à Dr. House. Des bêtises, des séries américaines qui ont inondé la France et qui durent sur des années et des années. Et tu as même pleuré quand on a tué un héros parmi tes héros, quand le réalisateur a décidé, parce qu'il n'a pas eu un accord financier avec l'acteur qui commence à se prendre pour un dieu, et il a préféré finalement se débarrasser de lui et le tuer dans le feuilleton. Et tu n'as pas pu supporter ça. Et à chaque fois qu'on t'a dit on va arrêter une série de feuilletons que tu as vénéré, tu mobilises la terre et le ciel pour que le réalisateur continue avec cette série. Donc tu as tout lu, malheureusement. Toutes les décadences possibles et imaginables, tu les as lues, malheureusement. Mais tu as refusé de lire Allah. Tu as refusé de lire la parole d'Allah. Tu as refusé de te lire toi-même. D'accord? Et c'est exactement ce qui explique que tu n'arrives pas à trouver le bonheur et la sérénité et l'apaisement. Donc, Challenge Coran invite les étudiants de l'Oasis de l'Excellence à lire pour la première fois de leur vie le Coran. De Alhamdulillah Rabbil Alameen jusqu'à Nas. Tout le Coran. Première chose à faire. Lire le Coran. Des gens ne l'ont jamais imaginé parce qu'ils se disent comment avoir ce niveau d'arabe qui me permettra de lire le Coran. Moi, je demande d'abord de lire. C'est pour ça que j'appelle le challenge Coran Ramadan. Je demande à l'étudiant de le faire les 30 jours de Ramadan. Il commence la veille de Ramadan et il finit la veille de l'Aïd. Donc les gens s'étonnent. Comment avoir la rapidité qui me permettra de lire le Coran en 30 jours? Ce n'est pas possible. Je connais même pas l'alphabet. Comment ce Abu Mama me dit que je peux lire le Coran en 30 jours? Et qui dit à d'autres étudiants, tu peux lire le Coran deux fois en 30 jours. Qui dit à d'autres, tu peux lire le Coran trois fois en 30 jours. Qui dit à d'autres, tu peux lire le Coran quatre fois. Chacun, il a un challenge. Celui qui l'a lu une fois, Ramadan dernier, doit le lire deux fois sur Ramadan. Celui qui l'a lu deux fois, doit le lire trois fois. Ce verbe devoir, pour ceux qui sont déjà en train de se dire la quantité et pas la qualité, c'est qualitatif. Plus tu lis le Coran, plus tu découvres le sens du mot qualité. Cette quantité-là t'amène petit à petit vers la qualité que tu n'as jamais pu sentir et que tous ceux que tu as connus n'ont jamais pu sentir. D'accord? Donc, bienvenue, mes frères et sœurs, qui vont écouter ce rappel. Je sais que tout ce qui n'intéresse pas les musulmans, ce sont les rappels qui tournent autour du Coran. Je vous défie. Allez voir mes propres rappels sur le Coran et vous allez voir que ça n'a pas dépassé 1000 vues depuis des années et des années. Allez voir n'importe quel cheikh qui parle du Coran et vous allez voir que ça n'intéresse pas grand monde, malheureusement. Et on se prend pour des musulmans. Et on se présente comme des musulmans. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et même ceux qui lisent le Coran et qui ne privilégient que l'apprentissage par cœur du Coran, ils ont les pauvres tout compris, sauf le Coran. Souvent, tu les trouves, les pauvres, ils répètent le Coran alors qu'ils n'ont jamais senti un verset du Coran. L'idée, c'est de t'inviter à cet esprit-là, à cette approche-là. D'abord, je dois faire une chose que je n'ai jamais fait et que je n'ai jamais pu imaginer. C'est de découvrir la parole d'Allah. Au moins de la lire, puisque Allah me demande de lire. Iqra. Quelques-uns m'ont dit qu'ils ont pleuré quand ils ont fini la lecture du Coran. Quelques-uns m'ont dit qu'ils n'ont jamais imaginé que c'était possible. Quelques-uns me disent aujourd'hui qu'une fois qu'ils ont découvert le délice de la lecture du Coran, ils ne peuvent plus s'en passer.
Et j'ai des gens, alhamdoulilah, depuis 6 ans avec moi, on voit l'équilibre coranique sur eux. On voit l'intelligence coranique sur eux. On voit la pureté, la puissance sur eux, mashallah. Et ça vient du Coran. Donc, si ça t'intéresse, viens. Et je te lance le défi. Et je te lance le challenge que tu finiras par lire le Coran en 15 jours. En 10 jours. À partir de zéro. Tu n'as jamais vu l'alphabet. À partir de zéro, en 15 jours, un mois maximum, tu seras prêt, inshallah, à lire le Coran le mois de Ramadan. Et Allah vient, bismillah, lance-toi. Oui, mais Mustapha, je suis parti voir ton site et je vois que c'est payant. Eh mais tu as oublié que c'est gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est gratuit pour ceux qui adorent l'argent. Pour ces deux types-là, c'est gratuit. Celui qui n'a pas les moyens, c'est gratuit. Et celui qui adore l'argent, c'est-à-dire qui trouve l'argent, voilà, qui n'arrive pas à sortir l'argent de sa poche, c'est très difficile, c'est c'est gratuit pour lui. Peut-être on l'aidera à se débarrasser de cette vénération de l'argent. Et c'est gentil quand même. D'accord? Donc, marhaba, c'est gentil, dit Mariam, là, gentil. Mais tu sais bien que c'est gratuit depuis le début, alhamdoulilah, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens. Ça nous met, nous, dans des situations difficiles, c'est pas grave. Mariam elle-même demande une bicyclette depuis des années maintenant. Tout à l'heure, elle m'a posé la question, elle me dit, Mustapha, la bicyclette, c'est quoi? Parce qu'elle a une compétition à faire, et la bicyclette n'est même pas encore arrivée pour qu'elle s'entraîne. Et son roi lui dit, c'est tendu, cette fois-ci. Je lui dis, le 7, le 10, inchallah, du mois prochain, ça va être fait. Donc, Mariam s'étonne, l'innocent des enfants, que c'est gratuit. Dans ce monde où il n'y a plus rien de gratuit. Ou elle-même, si elle n'a pas l'argent, elle sait qu'elle ne veut pas acheter. Mais j'essaie de remplir son cœur par quoi? Par l'amour d'Allah. Une fois que tu aimes Allah, tout le reste sera facile. Mais moi, j'ai pas d'argent. Alhamdoulilah. Très bien, les amis. Donc, venez. Partagez si vous ne voulez pas venir. Il y a des gens qui voudront lire le Coran une fois dans leur vie, avant qu'ils meurent. Donc, partagez. Parlez. Envoyez à vos mailinglistes. Venez vous-même. Et si vous n'arrivez pas à lire le Coran à la fin du mois de Ramadan, vous pouvez me faire ce que vous voulez, inchallah. Ça fait 6 ans que je le fais. J'ai déjà le recul, alhamdoulilah. J'ai vu des gens, à partir de rien, le lire et le relire. J'ai eu un étudiant, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a même lancé un défi à moi-même. On s'est lancé un défi tous les deux. Il m'a dit, je vais le lire cette fois-ci 6 fois. Je lui ai dit, on va se concurrencer dans ça. Moi, je vais le lire plus que toi. Alors, j'avais pas du tout l'intention de le lire plus de 6 fois, ou plus de 2 fois, 3 fois. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai lu Ramadan dernier 8 fois. D'accord? Alhamdulillah. Et cet étudiant qu'Allah le bénisse l'a lu 6 fois. Et c'est un cadre d'un très haut niveau. Hein, et qui n'avait pas pris de repos pour le lire. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il s'est maintenu dans son travail et il a lu le Coran. Qu'Allah le bénisse 6 fois. Ça marche? Donc, les amis, aslah Allah wa lakum dunya wa al-akhirah. La lecture du Coran te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'aide à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à comprendre le monde dans lequel tu vis, à te connaître toi-même, à faire la première rencontre de ta vie avec toi-même. Le Coran, n'est-ce pas Mariam? N'est-ce pas ma fille? Hier, elle lisait le Coran dans son concours, mashallah, je voyais le jalal, je voyais le waqar, je voyais le haïba, mashallah. Et je savais, avant même que le jury décide, je savais que elle et sa sœur ne pouvaient que remporter les prix du concours dans leur groupe. Qu'Allah les bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dis salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.